Alors bonjour, je m'appelle Yossi Boudimir, j'ai 30 ans, je suis croate au Suisse, né là-bas et puis venu ici avec mes parents. Je travaille à l'administration cantonale des contributions et puis ça fait plus de 10 ans que je suis au SRD. Ça a une longue histoire. J'ai eu, il y a 10 ans en arrière, septembre 2009, un accident grave où je suis resté au sol et puis j'ai eu une hémorragie interne. Puis depuis, en fait, j'arrive plus à jouer sans cette protection. Il me semble que ça fait depuis 2008. Allez, bon, je pense qu'on aurait dû enlever le vieux. Roublard, peut-être, je suis d'accord, ça fait un moment. Et puis c'est vrai que j'ai maintenant un style de jeu de vieux roublard, mais je suis pas vieux, hein, 30 ans. Je tiens à le dire, je suis encore jeune, hein, parce que les gens ils m'enterrent quand même assez vite. Et puis, moi, je veux montrer que je suis un jeune roublard. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a écrit ça. Ah, la technique, puis moi, hein, c'est pas évident. Il me semble que non. Mais vu que mon geste technique préféré, c'est la bicyclette. Mais bon, j'aimerais bien la refaire. Je vous le promets, je vais en refaire. Parler de ma vidéo, j'ai parlé à maintes reprises. À chaque fois qu'il y a un nouveau collègue qui vient, c'est est-ce que t'as vu ma bicyclette? Et puis je dois la montrer. D'ailleurs, celui qui veut la voir, je l'ai en favori dans mon téléphone. Ah, Dionys, ah, il peut enlever le bien sûr. Hein. Au début, on a eu du mal. Hein. Il m'a remonté dans sa barbe et puis moi, il n'y a rien de pire que ça. Il faut dire les choses. Maintenant, on s'entend bien. Ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble. Et puis, même en dehors du foot, on est potes et pas collègues de foot. Et puis, bon, c'est un excellent joueur. Hein. Chaque équipe aimerait avoir un joueur comme ça. Après, voilà, il faut qu'il arrête d'aimer les chiens, quoi. Ah ben je suis surpris parce que moi il me semble que j'arrête pas de crier sur le terrain. C'est aussi le rôle du capitaine quand ça va bien de encourager puis quand ça va mal d'essayer de remettre les choses en place. Après je pense que c'est plutôt l'inverse. Je suis très excité sur le terrain et puis très calme en dos. Ben je vous remercie. En tout cas maintenant j'ai un bon surnom pour Evan. Ça sera la roue de secours quoi. Mais moi je dirais plutôt que c'est la deuxième roue d'une bicyclette parce qu'on joue les mêmes postes et puis on est lié quand même sur le terrain, donc c'est pas une roue de secours. À 8 ans, 8, 9 ans, on est trois frères, et puis on fait tous du foot. Puis mon papa, il suit beaucoup chacun de nous. Et puis il rentrait à la maison, puis il disait à maman c'est bizarre parce que Yossip, le deuxième, quand il est sur le terrain, il fait que de sautiller. On dirait qu'il sait pas jouer au foot. Alors maintenant, on en rigole toujours parce que moi j'ai réussi quand même à venir. Au SRD et puis tenir une certaine longueur alors que mes deux autres frères ils ont pas réussi mais ils m'embêtent assez avec ça quand même. Génial, ils nous motivent à fond. La blancherie, on voit qu'il y a cette piste d'athlétisme, on est un peu loin quand même du public, mais grâce à eux ils rétrécissent quand même cet espace avec le public. Nous on donne tout sur le terrain comme eux ils donnent tout en dehors du terrain. Non. J'ai connu beaucoup de ligues avec les SRD. Maintenant, la routine, c'est si on n'avait pas d'ambition, alors que là, on a des ambitions qui sont claires. Et puis, on veut jouer les finales et monter. Puis, je trouve que ça, c'est plus une motivation et puis qu'une routine. C'était pas évident le premier match, mais je pense qu'on a vite rattrapé ce petit hic de début de championnat. Et puis, j'espère que la roue va continuer à tourner. Que penses-tu de les gens qui t'ont posé des questions avec le mot? Vous êtes des rigolos. Entre tes trois frères, là, c'était qui quand il était jeune qui avait le plus de talent? Le plus vieux, c'était celui qui avait le plus de talent. Et puis, c'était aussi un exemple quand j'étais plus petit. T'aurais préféré que Croatie aurait gagné ce mondial ou de l'Emon en Super League? On va dire, tu me laisses le choix. On va dire que de l'Emon en Super League, c'est clair, c'est le mieux, mais bien évidemment avec moi dedans. Parce que j'aurais pu faire 10 ans en Super League et puis à la fin des 10 ans que la Croatie gagne le mondial aussi. Avec ton marquant un but de bicyclette? Si seulement, ouais. Animal de compagnie préféré? Ceux qui me connaissent savent très bien que les animaux, c'est pas pour moi. Je les aime bien dans la nature, mais pas à la maison. Pourquoi? Parce que j'en ai peur. Que ce soit un chat ou un chien, qu'il soit petit, grand, j'en ai peur. Alors pour courir, ça doit être magnifique parce que tu cours. Il y a
deux pères puis deux enfants qui vont pêcher. Chacun d'eux, ils pêchent un poisson. Quand ils rentrent à la maison, le total de poissons, c'est 3. Pourquoi? Il y a le petit-fils, l'enfant, puis le grand-père. Alors, là, la question, c'est bah, chacun des pères a ramené son enfant. Il m'aurait dit... Ouais, il m'a dit oui, mais non, c'est juste. Bah, venez au match, ça c'est important, c'est clair. Même quand on est sur le terrain, on est concentré à 100% sur le match, mais quand il y a des gens autour, ça permet, on va dire, ce 10% de plus pour faire ses points. Et puis, hop, de l'aide.